Kim Kardashian, 41 ans, aurait voulu rester discrète sur son voyage en Australie, d'après ce qu'une source proche d'elle a révélé au Daily Mail. Et pourtant, un serveur travaillant au Piccolo Cucina, un restaurant italien de Cairns, dans le Queensland, a déclaré le mardi 19 juillet 2022 qu'il a servi Kim Kardashian et son entourage. La star de Kauai Tikei a atterri en Australie le samedi 16 juillet pour passer du bon temps avec son amoureux Pete Davidson, 28 ans, à Port Douglas. Le comédien de 28 ans est en Australie dans le cadre du tournage de son film avec Orlando Bloom intitulé Wizards. La star de télé-réalité de 41 ans était en Australie pour une escapade amoureuse de 4 jours avec son petit ami Pete Davidson. Lors de son séjour, l'ex de Kanye West aurait dépensé $576 dans un restaurant italien de Cairns. Kim Kardashian lui aurait également laissé un gros pourboire, selon le serveur du restaurant. Kim Kardashian est connue pour la grande attention qu'elle accorde à sa ligne et sa santé. Le serveur a pourtant révélé que la maman de North West, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Some West, 3 ans, s'est vraiment régalée. Kim Kardashian, la petite amie de Pete Davidson, s'est payé un festin dans le resto italien. Le serveur du restaurant italien Piccolo Cucina aurait servi des salades de capre, des arancini, des pizzas et des plats de poisson à Kim Kardashian et son entourage. L'ex-femme du rappeur de Donda aurait fini le festin en commandant un gâteau au chocolat et une pizza au Nutella. Le serveur a partagé la photo d'une facture à l'addition salée de $576 détaillant les prix des commandes de Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. J'ai pris la commande de Kim K au travail aujourd'hui. Merci pour le gros pourboire @Kim Kardashian, a déclaré le serveur. Je viens de finir de travailler et j'ai des quantités de pannes de Kimi apparemment. Voici son addition, a-t-il publié plus tard.